Gilet, comment vas-tu? Bonjour Monsieur Jacques, il va très très bien. C'est bien, ça fait Voilà. déjà 8 jours qu'on ne sait plus. Ben oui. Une nouvelle Oui. émission, tu nous dis, accordéon passion, combien C'est aujourd'hui on en a? la 57e émission aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu m'as fait une surprise, tu m'as dit, Jaco, tu vas voir, on va changer un peu nos interlocuteurs et on va amener des gens du sud-ouest. Et Absolument. là, et C'est une là, bonne et idée. là. J'ai vu, ah, c'est une très bonne idée. Alors, je vais te laisser les présenter parce que moi, c'est la première fois que je les vois. Ils vont jamais s'en souvenir après, de toute façon. Au moins, ils ont reconnu au moins une fois ça dans leur vie. Alors, vas-y, vas-y. Je Alors, t'en prie, mon petit je te gilet. présente. Comment pourrez-vous vous définir en fait les troubadours du Sud-Ouest, de Alors, l'Occitanie? Comment oui, pourquoi pouvez-vous vous pas? Ça va très définir? bien. C'est une bonne idée, troubadour du Sud-Ouest, pourquoi pas, ou d'Occitanie. En tous les cas, D'Occitanie? c'est Michel Danet, voilà, et Daniel Épi, voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour que vous vous trompiez pas. D'accord, Daniel. Bah Daniel écoute, et Michel. bah merci. Et moi, j'aime bien votre région parce que quand on parle de festif, chez moi, j'habitais pour le bon temps 15 ans dans le sud-est. On voit les journées festives et tout dans le sud-est, ça n'a rien à voir avec les vôtres. Parce que les vôtres, vous le faites vraiment pour vous amuser. Il y a vraiment une super ambiance, etc. Dans le sud-est, je ne les critique pas, je les aime beaucoup, mais c'est surtout un peu pour le pognon, donc c'est un peu différent. Mais ceci dit, moi, ça me rappelle ma jeunesse, on en parlera un peu plus tard. Et merci de nous recevoir, et franchement, ça me fait un grand plaisir de vous avoir dans notre émission. Eh bien, vous allez apprendre à y connaître tout de suite. On va passer déjà par une première chanson tirée d'un premier album, enfin d'un premier album, d'un album qui s'appelle Chansons et rires de chez nous. T'as tout compris. Exactement. Et alors là, bien sûr, qui n'a pas dansé sur ce célèbre fandango, le plus célèbre de France? Il est un coin de France, n'est-ce pas? Absolument, c'est Ah, c'est le le nôtre, voilà. Et c'est nôtre. surtout qui a été créé par quoi? Par Francis Lopez et Luis Mariano? Et Louis Fabiano, tout à fait. Oh Oh là là, mon Dieu, oui. là là, Allez, on y va, c'est parti. mon Dieu, oui. Ah, tu peux y aller. Allez, tchou-kitchou. Ouais, est-ce que vous êtes prêts pour aller avec lui au pied basque? Allez, out of Alors, the et vous chantez là, hein? On vous écoute, hein? Allez, on y va. C'est Allez, vous beau. êtes prêts, tout le monde, T'es hein? fou, on pète l'accordéon. Allez, on y va. Il est un coin de France où le bonheur fleurit, où l'on brandit d'avance les joies du paradis. Et quand on a la chance d'être de ce pays, on est comme en vacances et durant toute la vie. Allez, on y va! Elle est tout chido, elle est tout chido, elle est tout chido. Elle est tout chido, 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 le douanier vous poursuit. Et quand vient l'adolescence, les filles vous sourient. Mais l'on chante et l'on danse, et même quand on vit. Elle est tout chido, elle est tout lady. Elle est tout chido, elle est tout lady. Elle est tout chido, elle est tout lady. Elle est tout chido, elle est tout chido. Aire tu chido, aire tu aire, aire tu chido, aire tu aire, aire tu chido, aire. Et la nuit, dans la montagne, nous chantons autour du feu. Oh.
Dites-moi comment vous êtes connus tous les deux. Ah, alors, c'est une longue histoire. Oh là, mon Dieu, je ne sais pas s'il faut le dire quand même, parce que ça fait longtemps. Est-ce qu'on s'en rappelle? Oui. Mon Dieu. Alors, c'était. Michel travaillait dans un grand supermarché à l'époque Mammouth. Moi, j'y faisais l'animation. Et donc, ce jour-là, en faisant l'animation, il y avait 50 bouteilles de champagne à gagner. Tu m'étonnes. C'était la veille de Noël. T'en as gagné 48, non? Alors, j'ai fait évidemment tous les jeux possibles et imaginables pour que les mamans puissent repartir avec la bouteille de champagne. Il y avait même des mamans qui. Alors, après plusieurs jeux, évidemment, j'ai dit, tous les enfants qui viendront me chanter une chanson repartiront avec leur maman, repartira avec une bouteille de champagne. Et donc, il y avait des mamans qui tapaient les enfants pour qu'ils chantent au micro. Alors, j'ai dit, madame, mesdames, ne tapez pas le petit, je vais vous la donner, la bouteille de champagne. Voilà. Donc, et le soir, à la fin, après avoir entendu 10 fois petit papa Noël, une souris verte et au clair de la merde. Je me rappelle de la chanson du monde. Et j'avais entendu ça pendant 50 fois la journée. Il y a Michel qui est arrivé et qui me dit, si tu veux, moi, je t'en chante une chanson. Ah bon? Eh bien, écoute, laquelle tu veux? Tu m'avais chanté, donc là, il est un coin de France. Voilà, il est chez vous, valait mieux. Et donc, je lui dis, mais je t'accompagne. Et là, quand j'ai entendu chanter Michel, j'ai dit, hop, là, c'est pas pareil. Tu la mérites, la voilà. Là, j'ai dit, je sais pas si je lui ai donné ou pas. Oui, bien. J'aurais pas chanté autrement, attends, tu rigoles. Ah ben non, mais quoi. Et le lendemain, je lui ai dit, écoute, j'ai une idée. Toi, tu vas chanter. Moi, je vais te faire toute la musique. Ça, je sais faire. Et on présentera toutes les chansons avec un sketch, avec une histoire. Et voilà, comment on s'est rencontrés, comment on a démarré, chansons et rires de chez nous. C'est génial, de toute façon, c'est génial. Tu sais, aujourd'hui, je joue avec la nouvelle... Moi, ça fait 50 ans, maintenant 40 ans, 45 ans, j'y vais. Ouais. Je vois que tout, même les dansants ont changé aujourd'hui. Il faut amener quelque chose d'autre. Il y en a qui veulent plus danser, il y en a qui y a plus de femmes. Donc, il faut amener un petit spectacle et vous êtes vraiment dans le vrai de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que celui qui va qu'avec son accordéon, qui s'imagine qu'il va faire que des passodobles et des valses et des tangos, il a zéro, hein. C'est terminé l'histoire. C'est ce qui m'a plu quand Gilles m'a parlé de vous. J'ai regardé, j'ai dit voilà, ça c'est une bonne idée. Et au moins, vous amenez du bonheur aux gens. Ils viennent, celui qui ne sait pas danser s'en fout, il voit un spectacle, il vient passer un bon moment. Tu vois, il faut dire qu'on anime beaucoup aussi de banquets, ce qui fait que on apporte des chansons et des rires à ceux qui aiment manger surtout, parce qu'ils viennent pour manger surtout. Et nous aussi, on mange aussi, et on boit un coup, normal. Allez, on va les retrouver tout de suite avec un album qui s'appelle La Star Akamami. Alors là, on peut pas inventer mieux, La Star Akamami. Voilà. Tout à fait. C'est un spectacle, ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et alors, on va retrouver là une pointe d'accent. Voilà, ça aussi, c'est le nôtre. C'est le nôtre, tout simplement. Allez, on y va. C'est une chanson d'André Rock. André Rock. André Rock, oui, qu'on salue. Allez, c'est parti. Mes amis, mes amours, si vous partez un jour, laissez-moi, je vous prie, votre pointe d'accent. Cette musique-là me restera toujours, rien ne peut la changer, ni la vie, ni le temps. C'est la magie des mots quand on berce un enfant, le chant de la palombe à l'éveil du printemps. C'est l'envol de la paille dans le matin naissant. Un homme au commençant, c'est la pointe d'accent. Mon beau pays s'appelle Occitanie. J'ai dans le cœur une pointe d'accent. On ne peut pas renier sa patrie.
accent. On oublie les chagrins, les instants de bonheur, les jardins sous la pluie, les étés sous les fleurs. On oublie les soleils et les neiges d'antan, mais on garde toujours une pointe d'accent. Le fameux D'Artagnan a bien marqué l'histoire, du bout de son épée, une pointe d'accent. C'était un don du ciel et un titre de gloire. Henri IV était fier de l'avoir en naissance. Mon beau pays s'appelle Occitanie. Nous avons tous une pointe d'accent. On ne peut pas renier sa patrie tant que l'on a une pointe d'accent. Toi qui cherches un ami en pays occitan, s'il prononce des mots que tu ne comprends pas, dès le premier regard, tu le reconnaîtras, il aura dans les yeux une pointe d'accent. Et à toi qui t'en vas, ami de mon enfance, je dis n'emporte pas la terre à tes souliers, mais accroche à ton cœur ce joli coin de France. Et la pointe d'accent qu'on ne peut oublier. Mon beau pays, salut l'Occitanie. Nous avons tous une pointe d'accent. On ne peut pas renier son pays tant que l'on a une pointe d'accent. On ne peut pas renier sa patrie tant que l'on a une pointe d'accent. Région, t'es de la région toi aussi là-bas. Ah mais alors moi je suis né à Perpignan, mais mes grands-parents sont à Mirande, donc si tu veux, moi je les ai connus tous les deux parce qu'ils sont venus chanter au mois d'août l'année dernière dans un spectacle. Ouais. C'est comme ça que je les ai connus, et ben, moi je les ai connaissés, puis bien sûr parce que on les connaît tous dans la région, on les a tous vus quelque part dans les villages, donc voilà, moi je voulais les connaître un peu plus avant de les faire venir dans l'émission, et c'est pour ça que j'ai assisté à un super spectacle à Mirande. Et alors là, on va retrouver une autre chanson, alors un truc super sympa. Alors d'abord, vous avez fait combien de d'albums, vous avez sorti combien d'albums les gars? Alors, 4 albums. Et Michel compte sur les doigts. Oui, il compte. 5 avec le DVD. 5 avec le DVD, absolument. 4 albums CD et un DVD. Donc, à la fin de l'émission, on donnera les adresses et tout, les coordonnées oui, pour que vous puissiez les avoir. Ils sont super sympas. Alors, on va retrouver un album. Ça s'appelait Chante et danse. Oui. Alors, cette chanson, moi, je l'ai connue. Non pas par celui qui l'a créé, mais par les compagnons de la chanson à l'époque. Moi, mes parents étaient fous des compagnons de la chanson et ils ont chanté cette magnifique chanson qui s'appelle Marie Joconde. Reviens vers nous, oui. Marie, ma fille. Et alors, non, s'il te plaît, il fait beau. C'est une chanson de Marie. Et le créateur, c'est Alain Barrière, bien sûr. Voilà. Et on salue notre ami Michel Varenne, qui a dû certainement la chanter. Voilà, Mimi. Fais un bisou. Voilà. Bon, bah alors, on écoute alors. Eh bien, Marie Joconde, voilà, c'est parti. Ouais, t'en as vu, t'en as connu des équipages de tout rivage, de tout pays. Ouais, t'en as vu, t'en as connu des gars du large, sans tatouage ou tout garni. Ils venaient là, dans le bistrot de la rue du Havre, pour un voyage dans l'infini. Ils
te regarder avec des yeux qui en disaient large. Marie trop sage, Marie jolie, reviens vers nous, Marie jolie, Marie la blonde, du cœur du monde, reviens vers nous. Reviens vers nous, Marie jolie, Marie joconde, du bout du monde, reviens vers nous. Mais il arrive que parfois le cœur se lasse en sauvetage des cœurs transis. Pour un beau gars qui te propose un palace, un soir d'orage, tu es parti. Et depuis ce temps, dans le bistrot de la rue du Havre, Marie sirène, Marie jolie, ils reviennent tous là et chantent en chœur les soirs d'orage pour que tu reviennes, Marie chérie. Reviens vers nous, Marie jolie, Marie la blonde, du cœur du monde, reviens vers nous. Reviens vers nous, Marie jolie, Marie joconde, du bout du monde, reviens vers nous. La 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 la. Poser une question parce que j'ai au programme souvent me le demande, je sais jamais comment ça s'appelle. Alors je me suis mis un titre à moi, la danse basque là. Tu sais, c'est comment ça s'appelle cette danse où les mecs ils sont allongés par terre. Le vino paquito, ouais. Alors, si c'est, il y a le paquito où effectivement on passe là, on fait une farandole assis. Ouais, voilà. Et où on fait passer au-dessus de tout le monde, donc les. Ça c'est paquito. Quand j'allais jouer en Espagne, tu sais, quand j'organisais mes voyages, j'allais jouer en Espagne, on me demandait souvent ça, donc je l'avais appris. Oui. C'est sympa en plus à faire, hein. C'est marrant. Ah, c'est une aparté, pour vous dire que j'ai quand même un peu de morceaux de votre région. Je voulais passer à une autre personne, à un autre ténor. Il n'y a pas que, enfin, juste après Luis Mariano, je voulais penser à André Dassari. Oui. Et alors André Dassari, moi je connaissais pas, mais je l'ai connu grâce aux imitations que faisait Thierry Luluron, parce que c'était lui qui le faisait le meilleur. Et quand il faisait la chanson de Ramuncho, rappelez-vous, eh ben voilà, c'est le tube d'André Dassari. A cappella, Michel, il te l'a chanté. Moi, je vois Ramuncho dans sa cabane couronnée par le massif des Pyrénées, comme un aigle tout là-haut, habite Ramuncho. C'est ça, hein? Ouais! Voilà. Il devait se marier à Mammouth le matin quand tu arrives au boulot, toi, non? Oui, et avec cette chanson, je gagnais les radios crochets dans les Landes. Je gagnais la bouteille de. Il ne faut pas le dire, mais les copains étaient contents, on buvait ensemble tout ça après. Bravo, ouais, c'est le roi de la montagne. Non, c'est lui. JD, excuse-moi, on est en Bretagne ici aujourd'hui, on a eu du soleil bleu. Si tu pouvais faire en sorte que ça continue, ça m'arrange. Alors, on parlait d'André Dassari, parce qu'André Dassari, on va tout de suite passer des Landes aux Pyrénées. Mon beau pays des Landes, c'est lui qui l'a chanté le premier. Oui, tout à fait. Voilà. C'est une création d'André Dassari. Voilà, et vous l'avez reprise donc dans votre album qui s'appelle Des Landes aux Pyrénées. On va l'écouter tout à fait. Absolument. Avec plaisir. Absolument. Ah oui, que du plaisir. J'aime chanter mon beau pays des Landes. J'aime écouter le chant de ses forêts. J'aime fouler le sable de sa lande, aller rêver près des lacs enchantés. J'aime
J'aime chanter mon beau pays des Landes, car le chanter pour moi c'est merveilleux. Nous avons la fierté que possède tout Basque, l'audace des Gascons, l'humour des Béarnais. Mais mon pays landais n'a pas l'humeur fantasque, il vibre à l'unisson de tous les cœurs français. J'aime chanter mon beau pays des Landes, j'aime écouter le chant de ses forêts, j'aime fouler le sable de sa lande, aller rêver près des lacs enchantés. J'aime braver le vent fou de mes Landes et me griser sous son ciel lumineux. J'aime chanter mon beau pays des Landes, car le chanter pour moi c'est merveilleux. Nos filles sont jolies dans leurs habits de fête, les garçons un peu fous les jours de corrida. Pour faire des folies, pour leur tourner la tête, nos rythmes andalous les jettent dans nos bras. J'aime chanter mon beau pays des Landes, j'aime écouter le chant de ses forêts, j'aime fouler le sable de sa lande, aller rêver près des lacs enchantés. J'aime braver le vent fou de mes Landes et me griser sous son ciel lumineux. J'aime chanter mon beau pays des Landes, car le chanter pour moi c'est merveilleux. Alors dans la famille, il y a des artistes en plus chez vous, hein? Oui, oui. Oui, oui, oui. Tout le monde, on est des générations d'artistes. Et Michel, évidemment, a sa fille Marie Danet, qui est une formidable chanteuse. Absolument. Parle-nous un peu de ta fille. Ah ben oui, ben c'est ma fille depuis quelques années déjà, hein, plusieurs dizaines d'années. Que du plaisir, ben ouais. Ben, elle est soprano, elle fait du lyrique aussi. Elle a fait ce qu'il fallait pour apprendre la musique sur 10 ans de conservatoire. Et au bout, évidemment, ça donne la possibilité de chanter parce qu'elle peut faire tout ce qui est classique, lyrique, elle le fait merveilleusement bien. Et également la variété française aussi. Et voilà, bon, donc c'est... Et elle travaille quelquefois avec vous, non ? Oui, des fois, oui. Oui. Alors, pour tout dire, elle vient quand il y a le budget. Ah bah ouais, oui. C'est normal. Parce que c'est le nerf de la guerre. C'est un métier, tu comprends, c'est un métier pour nous, c'est notre métier. Je vais te faire une proposition après tout à l'heure. Mais pour le moment, alors qu'est-ce que tu nous as concocté ? Ah ben on va retrouver. Alors elle a fait un album magnifique qui s'appelle Voyage, Marie Danet. Oui. Et on va la retrouver dans un morceau qui est un morceau italien qui s'appelle Ricordo. Corse, Ricordo, Corse. Voilà. Pareil, l'Italie, c'est pareil, c'est à côté. Mais oui. Le morceau, il est très très bien, le morceau. Moi, je me suis régalé. Il est magnifique. La chanson est superbe. Ouais, on va l'écouter. Il la chante très bien. Ouais, c'est parti. Qui senza
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous savez que moi, ce que j'aime bien aussi dans votre région, je reconnais aussi. C'est le Jurançon. Le Jean-Jean. Non, je ne suis pas alcool, moi, je suis pas alcool. Je veux toujours être cuicide. On a travaillé. C'est un petit gel comme moi l'hiver. Hein. Ouais, non, mais nous, si on ne gèle pas. Et, à voir avec modération, s'il vous plaît. Voilà. Mais par contre, oui. le jambon, j'aime bien. Hein. Ah oui. Ah, il est très bon. Le jambon. Bayonne. Hein. Donc si vous mais un jour je viens chez vous parce que mon petit JD quand je vais venir au mois de juillet à Mirande là. Oui. On a peut-être quelques jours de libre, on peut peut-être aller faire un petit tour. Ah ben on va oui, t'inquiète pas, je vais te faire la tournée des Grands Ducs, tu me connais. On pourrait faire vous faire un petit coucou. On pourrait aller faire un tour, vous boire un petit coup, faire une petite tranche de jambon ensemble. Oui, oui, absolument. Il y a tout ce qu'il faut aussi. Le jambon, c'est bon. Moi, je m'aime le gras. Voilà, voilà. Allez, mon petit gilet, qu'est-ce qu'on t'a de nous a on va pas, ah ben, tu vois, écoute, on va les retrouver sur scène, tiens, cette fois-ci. Après avoir plein de vidéos, là, on va les retrouver sur scène. Je vous ai retrouvé à Cuzorne. Cuzorne en 2019. Cuzorne, alors, pour vous dire où est Cuzorne, ouais. C'est au-dessus de Fumel. Vous savez, le Lot-et-Garonne, là-bas, Agen, vous montez, tac, 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 tourne la journée, Fumel, voilà, à côté de Fumel. Ouais, au-dessus de Fumel, tout à fait. Voilà, quand vous allez dans le Périgord, là-bas, dans le Périgord, vous allez absolument. À Cuzorne, voilà. Et qu'est-ce qu'on va écouter? Eh ben, on va les retrouver dans Olé Torero, parce qu'ils ont fait, alors là, vous avez tout en scène et tout, avec le truc à tout. Hein. Il y a un spectacle à eux tout seuls, voilà. Yeah.
C'est Daniel qui le mettait mal, il faut le mettre correctement, le béret. Hein, oui, j'essaye de le mettre le mieux possible. Et évidemment, je le mets souvent à la manière basque. Je le mets au bon endroit. Et parce que tout simplement, c'est sur l'occiput qu'il faut le mettre. C'est mon grand-père. Sur l'occiput. T'as dit, tu ne comprends pas des fois, toi, tu confonds des feux. Bon, non, l'occiput. C'est lorsque tu as la base du crâne, là. Oui, c'est. Touche là. Et puis, voilà. Le béret, je sais que ça me va bien depuis tout petit, depuis le jour de mes 5 ans. C'est le jour de mes 5 ans. Comme mon pépé m'a acheté mon premier béret. Oh. Voilà. Et quand il m'a vu avec le béret sur la tête, il m'a dit, en son patois à lui, le patois bigourdan, il m'a dit, Atao ques beroi comme un soleil. Oui. Voilà. Et puis, il a rajouté, mes ques cun comme la lune. Et si toi, il dit toujours la vérité, ton pépé, il ne se trompe pas, hein. Bon, on va pas traduire, vous avez compris. Alors, exactement. Eh bien, avant de se quitter, on va retrouver une pépite de l'émission. Vous savez que moi, je gratte un peu. J'essaie de trouver des choses. Eh bien, là, j'ai trouvé une pépite qui concerne Marie Danet. Peut-être que vous la connaissez, messieurs. Oui. Marie Danet, elle est passée à la chanson Sanson il y a quelques années de cela. Oui. Ouais, ça, on s'en souvient de la télé de Marie Danet. Voilà. J'ai retrouvé ça. Absolument. Et là, alors là, elle nous chante un extrait des Noces de Figaro, bien sûr, que l'on connaît tous. Et là, c'est un des morceaux les plus célèbres, Voice Papete. Bon, je ne sais pas comment je dis, si je bien dire en italien. Ça veut dire, si on traduit, c'est en italien, et en français, traduit en français, c'est « Vous qui savez ce qu'est l'amour ». Voilà, Vous qui savez ce qu'est l'amour ». Oh,
écoutez, je vous rappelle quand même, pour ceux qui allaient regarder l'émission au week-end, que dimanche, il y a un grand festival d'accordéon à Mulsanne, à côté du Mans, auquel j'ai l'honneur de participer, avec monsieur Fabien Verreras, entre autres, et Sandrine Traher, que je vais avoir un plaisir de retrouver. Moi, je vous remercie à vous, parce que ça m'a fait un grand plaisir, et peut-être qu'on en fera une autre, parce que ça a été quand même relativement assez court. JD, tu vas nous retrouver des petites vidéos et tout. Oui, oui, oui. De Daniel, et puis, on va pouvoir... On va pouvoir refaire une émission. Moi, j'espère peut-être vous voir dans la région lors de ma venue au mois de juillet. On ne sait jamais. Avec plaisir, avec bien sûr. Et puis, c'est vrai que j'aimerais bien, parce que j'ai des amis là-bas, j'aimerais bien au moins y aller une fois, donc ça me permettra d'aller les voir. Voilà, mon petit JD, je te remercie. Je te laisse sur l'émission. Vas-y. Alors, juste avant, on peut quand même rappeler où on peut trouver les albums, le DVD de vos chansons, de vos sketchs. D'accord. Alors, le plus simple pour trouver nos albums, c'est effectivement de nous retrouver sur Internet. Alors, il y a plusieurs liens. Hein. YouTube, Michel Danet ou Daniel Epi. Facebook, Michel Danet, Daniel Epi. Ou Chansons et Rires de chez nous, dans les deux réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou... Il y a les adresses. Vous avez le lien direct. Voilà, mon JD, je vais faire une grosse bise, comme d'habitude. Merci, merci beaucoup. Merci, Daniel. Deux, merci, vous Michel. Salut, Jacques. Bon amitié. Salut, JB. Merci à vous. Et à bientôt. Salut. Avec plaisir. Salut. Au plaisir. Merci.